Welcome to Miami! Bienvenue dans ce nouveau vlog, les amis. Bon, une fois n'est pas coutume, on vous embarque avec nous à Miami. Et ça fait déjà une semaine qu'on est là. Et on a décidé de vous raconter tout ce qui nous est arrivé jour après jour toute cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, bien évidemment. Donnez-nous des petits commentaires sur cette vidéo. Ce que vous pensez, est-ce que Miami vous donne envie de venir en vacances ou y vivre? Ou est-ce que vous avez des questions? Franchement, n'hésitez pas en commentaire. D'ailleurs, c'est des questions que nous, on se pose aussi. Mais vous allez comprendre pourquoi. On se réveille, on est tous très excités. D'ailleurs, on embarque avec nous ma petite sœur. On lui a annoncé ça il y a quelques temps. Elle était déjà en folie. Où est-ce comment? On va quitter le 6 degrés là, j'en pouvais plus attendre ici, putain. Mais là, de savoir qu'elle s'en va, qu'elle quitte le froid, la grisaille, l'hiver. Bon, ben, elle est excitée, nous aussi, on est déter. On est très excités, on est très contents de venir à Miami. On part tous les quatre avec bébé. Oui. C'est la première fois que bébé va prendre un très très long vol. Oui. On va voir comment ça se passait. Vite, 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 vite! Cours, 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 cours! Oh, il fait froid! Froid! C'est le pôle Nord! On est chargé ou pas? Pour aller à Paris, j'ai bien l'impression qu'on est dans la merde pour aller. Notre fils, il veut pas savoir où il est, comment, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il peut pas. Lui, tout ce qu'il veut, c'est courir. Depuis qu'il reste debout, il veut courir. Je vais même prendre une chaussure dans la tronche, ça va être très rigolo cette histoire. Mon fils, ce fraudeur. Lucas, sans le passeport, tu peux pas passer, mec. Eh non, c'est interdit. Laissez-moi passer. Arrivé à l'aéroport de Paris, le petit schtroumpf Lucas a décidé de courir de Mario Kart. Quand t'as pris l'étoile, là, tu sais... pas mal à l'aéroport, ils ont installé un espèce d'endroit pour les familles, les enfants. J'avoue. Où tu peux t'installer et on vous montre tout de suite parce que franchement c'est génial. Ça peut servir. Hein. Bon les amis, je vous explique notre vol à 1h30 de retard. Du coup, ben, on attend dans le truc des enfants, on a trouvé un endroit, c'est génial. T'as un truc pour attendre ou c'est spécial pour les gosses, je vais vous montrer, t'as un micro-ondes, t'as plein de trucs. T'as des sièges pour t'asseoir, truc pour changer bébé, pour lui donner à manger, des petits lits, genre des petits, enfin pas des lits mais des trucs exprès. C'est trop stylé et en plus t'as le tableau en face où du coup tu peux voir à quelle heure ton vol part. T'es pas obligé de te stresser, oh, c'est trop bien. Du coup je me repose. Alors Madame Atujas, vous avez hâte d'arriver à Miami? J'ai très hâte d'arriver à Miami. C'est vrai? Oui. C'est quoi que t'as hâte en premier? La chaleur. La chaleur? La chaleur, direct, la plage, les gros hamburgers. Ah ouais? Et Miami genre. Oh putain! Oh putain! Donc, on va prendre le vol pour Miami, on appréhende évidemment parce que c'est un très long vol. 10 heures de vol. Il faut savoir qu'on a pris les places qui sont réservées aux familles, mais il faut les demander, d'accord? Sinon, ils seront attribués à quelqu'un d'autre. Mais en gros, tu as un peu d'espace devant toi et ça permet de mettre un landau pour dormir si tu le demandes ou que le gosse s'amuse devant, tu vois. Exactement, et du coup, bah, vu qu'on avait 3 places, on a pu mettre nos jambes pour créer cette espèce de mini parc qu'on lui a mis des jouets et tout. Là, à la rigueur, ça allait. Bon, il a quand même couru un peu dans l'avion. Oui. Voilà, il a fait 2-3 petits tours quand même. Il a été sage, il a pas pleuré, mais c'est surtout ce qu'on apprendait, bah, le fait de dormir, puisqu'il dort tout le temps dans sa chaise haute, Lucas. Et là, bah, bizarrement, il a dormi 7 heures sur 10. Le vol, il s'est trop bien passé. C'était trop bien, mais vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, notre fils se réveille tout le temps. Souvent, il dort pas bien parce qu'il a besoin de notre contact, on s'en est rendu compte. Et là, du fait qu'il était ou sur moi ou sur mon chéri, en fait, il a trop bien dormi, on était choqués. Donc voilà, 7 heures sur 10, Lucas a dormi. On était trop contents. Bon, quand j'ai imaginé Miami, je me suis dit, dès que je vais poser un pied sur les USA, ça va être une folie. Mais non, pas vraiment. On n'est pas à Miami, non?
Alors, première impression sur Miami, c'est éclaté. L'aéroport, il est tout mort. Il n'y a que quand tu découvres les States que tu fais ça. Hein. Chérie. Il est 22h45 quand on arrive à l'appart, heure locale, mais il est 4h45 en France. Donc il y a le jet lag, tu vois, et on le sent bien, bien, bien. K.O. Il n'y a pas de matelas pour le lit de bébé. Incroyable la vue. Hein. C'est comment? La vue, elle est incroyable. C'est normal de marcher comme un petit verre. Ah, coucou. C'est la mauvaise humeur, c'est la fatigue. On est tous épuisés là. La journée a été très longue. Premier réveil à l'appartement, catastrophe. Déjà, il se passe à une heure improbable. C'est pas un réveil normalement, c'est l'heure où tu vas dormir. Notre Suisse n'a pas compris qu'on n'était pas en France. Je crois que c'est le jet lag. C'était une catastrophe. C'est quoi le jet lag? C'est le, comment on dit en France? Décalage horaire, exactement. Bon, attends, avant de vous montrer tout ça et de vous raconter exactement dans quel état on était, on va vous parler du sponsor de cette vidéo. Made in Paris. Comment je fais pour avoir des cheveux aussi longs, aussi brillants? Très simplement, j'utilise les produits Maybe Paris, comme on vient de vous le dire, les amis. C'est le sponsor de cette vidéo, mais pas que, ce sont les produits qui m'accompagnent dans mon quotidien depuis plus d'un an et demi. J'utilise dans un premier temps le shampoing Vanilla Sense. Il faut savoir qu'il y a plusieurs gammes chez Maybe, mais que tous les shampoings sont réparateurs. C'est ça qui est important. Il faut savoir que les produits vont permettre d'entretenir, de réparer vos cheveux. Ensuite, j'utilise l'après-shampoing, mais vous pouvez aussi utiliser directement le soin. Le soin, les amis, je vous explique, c'est quelque chose d'incroyable. Ce produit-là, tu l'utilises minimum 20 minutes dans ta vie ou même toute la nuit. Il va te sauver, il va réparer tes cheveux en profondeur. Moi, je l'utilise assez souvent, il faut juste essorer ses cheveux avant. Et ensuite, tu vas l'appliquer sur la longueur de tes cheveux, sur toute la longueur, et tu laisses poser. Mais quand je dis 20 minutes, je ne pèse pas mes mots. Tu dois le laisser poser au minimum 20 minutes, sinon ça ne marchera pas. Si tu veux vraiment de l'efficacité, écoute bien tout ce que je t'ai dit. Mais surtout, moi, tous ces conseils-là, je les ai pris de chez Maybe. C'est eux qui m'ont expliqué tout ce qu'il fallait faire. Et c'est tout expliqué sur le site directement. Donc, tu veux des cheveux longs, brillants, bien réparés, n'hésite plus. Alors, il faut savoir vraiment, comme je vous ai dit, qu'il y a plein de produits. Vous voyez le petit sérum rose, Pulse My Hair. C'est ce qui permet aussi de faire pousser les cheveux. Il y a du gommage capillaire, il y a du soin à différentes odeurs. Il y a vraiment de tout chez Maybe. Donc, honnêtement, si tu cherches des produits pour avoir de beaux cheveux, je te conseille réellement Maybe Paris sans hésiter. Tu seras satisfait de ta commande. Les produits sont fabriqués en France. Ce sont des produits de qualité qui vont réellement réparer tes cheveux et je t'assure qu'avec le soin, dès la première utilisation, tu verras un résultat sur tes cheveux. Quand j'étais enceinte, j'utilisais aussi Maybe Paris. Donc si tu veux toi aussi avoir des cheveux de malade, sache que exceptionnellement, il y a moins 55% sur les produits Maybe. Avec le code NAMOUR55. Même les États-Unis les envient, alors profite-en. Regarde-moi ça. Hé, on t'a pas dit, l'offre, elle va pas rester longtemps. Alors profite-en, dépêche-toi. Come on, let's go. Pour rappel, on est arrivé vers 23h à l'appart, mais on s'est couché autour des 1h du matin. Tu vois, à peu près. Sans avoir dormi dans l'avion. Grosse fatigue. Ouais, c'est ça. Donc là, premier réveil, vous allez découvrir avec nous comment même le coq, il dormait encore. Je vous explique, c'est les vacances, sauf que notre fils a très bien dormi dans l'avion. Depuis 2h du matin, il fait le zbeul, et là, voilà. Ça va, papa? Il peut faire la pole dance, notre fils. Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont en pyjama trop grand, là. J'ai un conseil à donner à tous ceux qui ne sont pas encore parents. Attention aux lampes. Non, c'est pas ça le conseil. Le conseil, c'est dormez avant. Parce qu'après, il est trop tard. Salut. Mort de rire. Elle est bien. Ça va? Nous, les vacances, ça se passe bien. Ah ouais. Hop là. Ah, le parc de mon fils, il va être là, super. Faut que je vous annonce un truc. Regardez la machine à café. Where are you going? I'm sorry.
5 o'clock. Excuse 5. In the morning. Quoi? Papa, il a fait un beau parc à ce monsieur. Oh là là, papa a de l'imagination, hein. Petite visite de l'appartement. Oh là là, c'est la forme à 6h du matin. Et salut à tous, on est bien arrivés à Miami. Papa m'a créé un parc imaginé avec son imagination à lui. Parce que je fais que courir partout, il a fallu bouger les meubles et mettre la table basse là-bas. On a ma reine qui est au bout de sa life parce qu'il est 6h du mat et que personne n'a dormi à cause de moi, voilà. Parce que moi, j'ai dormi dans l'avion. Deuxième conseil, si tu veux devenir parent, regarde toute la série MacGyver. Il va falloir être inventif et utiliser toute ta baraque pour créer des parcs. Parce qu'il ne va pas s'arrêter de courir. Wow! Alors, Miami, c'est quelque chose ou pas la vue? C'est stylé. Moi, les vues, moi, ça me fait vibrer. Je suis tellement contente d'être à Miami, de faire découvrir Miami à mon amour. On dirait que c'est sa ville, tu vois. Et à Luca, parce que honnêtement, c'est un truc de ouf, cette ville. Juste petit aparté pour ceux qui ne savent pas, j'ai vécu ici pendant 3 ans et demi et juste à côté de là où on habite actuellement. Donc, je connais très bien Miami. Je connais les levers de soleil, je connais les couchers de soleil, je connais les endroits magnifiques et je sais que c'est une ville qui est incroyable. Et donc, ce matin, je suis tellement excitée de leur faire découvrir Miami que je suis dans tout mes états. À 7h du matin, elle nous fait partir faire une promenade, s'il te plaît. Mais j'avoue que ça fait longtemps, mon amour, que tu m'en parles. Et tu sais, en général, quand tu vends trop un truc, tu te plantes. Ouais. Mais tu t'es pas planté. C'est stylé de ouf. Et le petit déj, mon gars, alors là. Ça faisait longtemps que t'avais pas mangé un truc comme ça. J'avoue que c'est pas un mythe, le petit déj américain. Bref, la bouffe et tout, tout est surdimensionné. La vue. La vue, elle est incroyable, sa mère. Je vous explique, les amis, on arrive d'ici, on descend l'ascenseur là, et là où nous habitons, nous avons pris notre appartement. D'ailleurs, il faut qu'on fasse une petite visite après. Il y a une espèce de petit mall juste en bas de l'ascenseur où tu as un petit Starbucks, tu as une agence immobilière, tu as un café, tu as des magasins pour acheter des chaussures et tout un tas de trucs. Et du coup, ils sont comme des oufs. Et il y a encore tout un tas de choses. Voilà, c'est juste en bas de l'ascenseur de notre appartement. C'est comment, mon amour? C'est génial. Ça part de là. Quand tu vois. Mamma mia. Il y a les oiseaux, mon fils. Mon amour, il est content, là. Ouais. Oh, mon amour, il est content. Je suis trop contente depuis que je voulais qu'on vienne aux States parce que j'ai déjà mon amour, la vie ici, elle est incroyable. Moi, j'ai habité 3 ans et demi ici. C'est un truc de ouf, les États-Unis. C'est ma destination préférée. C'est l'endroit où j'aimerais qu'on vive réellement. Mais c'est hyper compliqué, il faut avoir un visa, enfin bref. Mais en tout cas, je suis trop contente qu'on soit là parce qu'enfin, il va comprendre pourquoi je le saoule avec les States. C'est incroyable! Elle a retiré des dollars! Pa. Bon, à midi, on va manger dans un restaurant. Je suis trop contente de les amener parce que c'est un resto, les amis. Je crois que vous n'êtes pas prêts de voir les plats qu'on va bouffer. Ça va être quelque chose. Et oui, même à Miami, la chaise pour bébé. C'est à droite, sinon. On filme les retrouvailles. Oh. Coucou, c'est Brigitte. Je suis contente. Ça va, c'est toi? Oui. Ça y est, le grand. Alors voilà. Quel genre d'escalope, ça? Oh my god. Je vais t'aider. Alors, pour vous expliquer, Brigitte, c'est une femme que j'ai rencontrée ici qui est extraordinaire, d'une gentillesse. T'as jamais vu ça de ta vie. Et en fait, on était à l'école ensemble. Faut savoir que quand je suis arrivée aux États-Unis, je parlais pas anglais. And today, I'm very, comment on dit, je ne sais plus. Je sais pas. Bref, je parle anglais couramment.
et je suis allée à l'école en fait. J'ai eu un visa étudiant et c'est là que j'ai rencontré Brigitte. C'est-à-dire que ici, quand tu vas à l'école, ou je pense peut-être de partout dans le monde, on sait rien, à tout âge, tu peux être dans les mêmes classes. Et on s'est rencontrés parce qu'on était dans la même classe parce qu'elle ne parlait pas anglais aussi. Et on est restés du coup amis, en contact. Elle a ouvert une boulangerie ici, enfin bref, toute l'histoire. Et c'est les retrouvailles parce que ça fait 3 ans que je n'ai pas vu Brigitte. Donc je suis ravie parce qu'on s'est beaucoup écrit et on s'était pas vu depuis longtemps. Mon amour décide de nous emmener à la plage. Oui. À South Beach. Alright. Ah, laquelle ici, les amis, South Beach, c'est hyper connu et si tu viens à Miami, il faut le faire. Et d'ailleurs. Mais attends, parce qu'il faut le faire la journée et la nuit, c'est pas du tout la même chose. Pas le même délire. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a beaucoup de Français à South Beach. Et apparemment, on est bon pour faire la fête et c'est là-bas que ça se passe. Tu vois le délire? Bon, bref, déjà, on arrive à la plage et j'avoue, ça ressemble exactement à ce qu'on voit dans les films et dans les séries. Pareil. Magnifique. Waouh! Waouh! Je m'attendais pas à voir des gens faire du sport sur la plage, ça n'existe pas en France, tu vois, et j'ai kiffé. D'ailleurs, je vais y aller. Ah bon? Je vais aller faire un peu de... Non, je rigole, franchement, on a kiffé, même notre fils s'est régalé, il a couru comme un malade. C'était très stylé et ce qu'on a découvert, c'est que les gens, ils en ont rien à cirer. Ouais, ici, c'est vraiment la liberté, il n'y a pas de jugement. Tu t'habilles comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Ou tu t'habilles pas. Oui, tu t'habilles pas, tu choisis. Ça passe. Des fois, c'est très petit, il n'y a pas grand chose. En vrai, ça, c'est pas un truc que tu pourrais voir ou accepter en France, tu vois. Ouais. Et c'est là où tu te dis, vraiment, je suis arrivé ailleurs. Mais c'est pour ça aussi que moi, j'aimais habiter ici parce que tu sens une certaine liberté. Il n'y a pas de jugement. Les gens ne te regardent pas, ne t'observent pas parce que tu t'habilles comme ça ou tu fais ça. Non, ils trouvent ça cool en vrai. Ouais. Les seuls qui étaient en train de juger, c'était nous. C'était nous. Du coup, nous avons mis Luca dans son parc parce que ce monsieur avait envie de se réveiller tôt encore. Et donc, du coup, on essaye de profiter mais d'une oreille et d'un œil parce que de l'autre, il attend avec Luca de se reposer. Savoir que je suis venu ici sans affaires. J'ai pris 2 t-shirts, 2 shorts et c'est tout déjà parce que la vérité, j'avais plus d'affaires d'été et j'avais pas le temps de faire les boutiques. Tout ce qu'on amène pour notre fils, c'est énorme. Du coup, on a réduit nos affaires. Mais toi, t'as vraiment réduit parce qu'elle a rien pris, mon amour. Donc, j'ai tout misé sur ici, tu vois. Donc, on va aller dans le plus grand centre commercial de Floride. Ouais, un mall, ça s'appelle. Ah, ok, sorry. Sawgrass. Elles sont belles, mon fils. Fais voir les chaussures. Quoi, les chaussures? Waouh! J'essaye celle-là? J'essaye celle-là ou quoi?
Ah, celle-là, c'est les miennes déjà. Ce centre commercial, ce mall, personnellement, même si j'habitais ici pendant longtemps, je ne le connaissais pas. Donc, je l'ai découvert en même temps que mon amour. C'est un outlet. C'est un outlet, ouais, c'est là où tu trouves plein de marques, de grosses marques, genre moins chères. Mais après, il y a plein d'autres petites boutiques. Ouais, il y a de tout. C'est un super mall, mais il faut prévoir une grosse journée, voire deux jours pour faire tout le mall. Et il faut prévoir de casser le PEL aussi, parce que tu peux pas te résoudre à prendre juste un petit truc. C'est incroyable. Et surtout quand t'es français, il y a tellement de choses qu'on n'a pas chez nous, ouais, que t'as envie de tout prendre. Puis c'est surtout, c'est beau, t'as de la bouffe partout, t'as envie de manger, t'as envie d'acheter, t'as que envie d'acheter, genre c'est un peu doux. Ça pousse à la consommation. Mais le mall, il est incroyable. Ouais, honnêtement, il est magnifique. J'avoue. On découvre un restaurant pour notre fils, mais il est juste incroyable, les amis. Genre, franchement, j'ai jamais vu ça. Ils ont fait une espèce de jungle, et en fonction des tables où tu t'assois, t'as des animaux. Donc nous, on nous a placés là où il y avait les éléphants, mais t'as des gorilles, t'as des tigres, t'as plein de choses, et genre ils sont animés, c'est-à-dire que pendant que tu manges, de seul coup, tous les animaux de la jungle décident de les animer. Il y a du son, mais il y a aussi du mouvement, c'est impressionnant à quel point c'est réaliste. C'est ouf, notre fils du coup, il est comme un ouf, il est devant les éléphants, il est trop mignon. Mais même nous, on est comme des oufs. Bon après, j'avoue, je sais pas toi, mon amour, moi ça m'a cassé la tête au bout d'un moment. Ouais, tu manges une heure, après c'est bon. Saoulé, je m'embrouille avec eux et tout. Qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent d'avoir des réponses à ce sujet, les chiens. Bon, c'est un sujet qui m'a beaucoup touchée, qui a été compliqué pour certains, qui n'ont pas compris, mais bref. Pour vous expliquer, ma copine Donna, qui est mon amie, habite à côté de Saugrasse, ce fameux centre commercial. C'est pour ça qu'on a été là-bas, parce qu'il fallait absolument que je revoie mes chiens. Donc du coup, je rejoins Donna chez elle. Il fallait absolument que je revoie mes chiens. Mais avant de vous expliquer comment sont passées les retrouvailles et ce qui se passe, pour recontextualiser le truc, j'ai habité 3 ans et demi aux États-Unis, comme je vous l'ai dit. J'étais pas bien ici. J'ai pris des chiens pendant à peu près 2 ans, et pendant la période du Covid, j'étais vraiment pas bien, et psychologiquement ça n'allait pas, j'étais en très grosse dépression profonde, j'allais pas bien dans ma vie, j'allais faire des conneries, il fallait absolument que je rentre en France pour retrouver ma famille et tout, parce que j'étais perdue complètement. Rentrer en France avec les chiens, ça demandait une vraie organisation, les vacciner, etc. C'était période de Covid, je pouvais rien faire, donc à part les laisser à garder, c'était la seule solution, sauf que c'était prévu que je les laisse pour quelques mois, parce qu'à cette époque là j'étais célibataire et je voulais juste faire un aller-retour pour me sentir mieux psychologiquement, parce que vraiment, je vous assure, j'étais très très down. Bref, donc je n'arrive pas à partir, je n'arrive pas à trouver quelqu'un pour les garder, etc. Vraiment, ça a été un calvaire pour moi, parce que je les aime tellement que je veux pas le laisser à n'importe qui. Et il se fait que j'arrive pas à trouver quelqu'un de confiance, donc je demande à mon amie Donna de me rendre un service, puisque je sais qu'elle adore les animaux, que c'est une personne extraordinaire avec sa famille, et que je sais que si c'est elle qui les garde, les chiens seront entre de bonnes mains. Surtout qu'ils ont déjà d'autres animaux. Oui, ils ont déjà d'autres animaux, et puis Prince et Oreo ont déjà été là-bas, ils les connaissent, ça s'est très bien passé, ils ont une très grande maison avec un jardin. Donc je sais que voilà, je suis très gênée de lui demander ça, mais j'ai pas trop le choix parce qu'il faut vraiment que je rentre en France. Donc je lui laisse les chiens pour une période de quelques mois, et ça se passe très bien, je reçois des photos, des vidéos pendant le truc, mais moi je rentre, c'est période de Covid tu vois en France, donc très compliqué, je peux pas faire ce que je veux, et j'essaie psychologiquement surtout de me soigner parce que ça ne va pas, donc je fais des thérapies etc, mais bref c'est pas le sujet. Et il s'avère que entre le Covid, le fait que je rencontre mon amour, et vous savez pour ceux qui rencontrent quelqu'un que c'est un chamboulement de la vie, le fait qu'ensuite il y a Luca qui arrive etc, j'ai pas pu faire des allers-retours comme je le voulais, et en fait je suis restée en France. Mais j'ai quand même demandé à mon amie si elle était d'accord de les garder un peu plus longtemps. Donc elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, etc. Donc c'est ce qui se passait. Je recevais des photos. Il faut savoir que mon amour prenait soin quand même de comment ils allaient. Elle payait les soins quand il y avait besoin, la nourriture. Je payais le toilettage, je coupais les ongles. Elle n'était pas déconnectée, c'est ça que je veux dire. Non, j'envoyais des croquettes tous les mois. Je donnais de l'argent pour faire des soins, comme l'a dit. Tout vraiment à distance. J'essayais de faire mon max parce que c'est loin. Mais bref, donc du coup, il s'avère que je dois revenir un jour pour venir aller chercher, voir comment ça se passe ou pas, parce que je ne sais pas comment ça se passe avec la famille vraiment, est-ce qu'ils sont très attachés, pas assez pour que je puisse les récupérer, bref. Donc c'est ce jour là on est aujourd'hui où il faut aller les voir, et donc on arrive et c'est la retrouvaille. Mais avant ça,
il faut que je vous annonce, et je sais qu'il y en a certains qui vont me déglinguer, mais personnellement, on se doit d'être transparent, et c'est ce qui va se passer, je vais vous dire la vérité. Pendant une période en France, j'étais pas bien, parce que malheureusement, il y a un des deux chiens, donc Oreo, qui a fait une attaque cardiaque, et qui malheureusement, elle est partie. Donc ça n'a pas été facile, à distance, parce qu'en fait, je m'en suis voulu, dans le sens où je me suis dit, j'avais dit que je reviendrais, mais la vie a fait que... Et au moment où ma copine elle m'annonce que en gros elle a eu une attaque cardiaque, je me suis mis dans tous mes états, j'ai dit à mon chéri je vais prendre un sac à dos, je vais partir, je vais être là au moins pour l'enterrer. Et ma copine elle m'a dit mais Shana ça sert à rien, ne t'inquiète pas, elle est ici, elle est très bien. Elle m'a dit une phrase qui m'a tellement réconfortée, elle m'a dit tu lui as donné la meilleure vie que tu aurais pu lui donner, c'est un chien que tu as sauvé d'un refuge et c'était comme notre fille. Donc je me suis dit l'un dans l'autre, ma mission c'était peut-être juste de sauver ce petit chien et de l'amener à cette famille qui a été incroyable avec eux. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir des animaux, de les sauver et parfois de pas pouvoir les garder tout le temps. Mais c'est vrai que du coup ça m'a fait du bien quand elle m'a dit ça, parce que je me suis dit c'était peut-être ma mission de leur amener. Parce que en fait ils en étaient fous, genre c'était vraiment, elle était tellement attachante. Donc voilà, c'est vrai que pendant une période et au final il l'aimait tellement qu'ils lui ont fait une petite pierre tombale, ils l'ont enterrée. Honnêtement elle était aimée et je pense que c'était la meilleure chose qui puisse lui arriver, de rencontrer cette famille qui avait envie de prendre soin d'eux. Parce que moi Oreo quand je l'ai récupéré, c'était un petit chien qui était battu, qui était sale, on voyait qu'elle était maltraitée, elle avait peur de l'être humain. Et je me dis déjà de l'avoir sorti de cette situation, de l'avoir eu un petit peu avec moi, de lui faire rencontrer Prince, d'avoir une jolie vie et ensuite de la finir avec des gens incroyables, c'est ouf. Mais tu peux pas tout contrôler dans la vie. Donc c'est vrai que je me suis réconfortée avec ça, parce que dans tous les cas je peux pas être abattue de la situation. Une crise cardiaque tu peux mais c'est le destin, à un moment donné on peut pas tout contrôler, il faut accepter qu'on fait de notre mieux et que les choses n'arrivent pas pour rien. Donc oui, c'est ça. Et moi je suis d'accord pour dire que tu as fait quelque chose de magnifique. J'ai essayé de faire de mon mieux en tout cas pour leur donner une belle vie à ces chiens. Donc voilà, malheureusement je sais qu'au moment où je vais arriver chez Donna, Oreo n'est plus là et qu'il faut que je prenne sur moi, parce qu'il y a notre fils avec nous, parce qu'aujourd'hui je suis maman, je peux pas me laisser abattre. C'est la vie. Et puis il y a Prince aussi. Et puis il y a Prince. Donc du coup, on se rend chez Donna pour aller voir du coup Prince et Marfito, parce que c'est le chien aussi qu'ils ont, elles ont un chien. Et la rencontre avec Prince se fait. Du coup, j'ai appréhende de ouf, parce que je me dis, ça fait longtemps, est-ce qu'il va me reconnaître, pas me reconnaître? Dans tous les cas, je lui en voudrais pas, parce que je sais en fait que c'est une famille très aimante et qu'aujourd'hui, c'est sa famille à Prince. Parce que moi, je suis partie pendant très longtemps, il faut se rendre à l'évidence. Il faut être clair dans les mots. Ça fait 3 ans que Prince est avec eux, donc je sais que c'est sa famille, donc ça se trouve, il va me voir, il va pas me reconnaître. Et en fait, pas du tout, je sens quand il s'approche de moi que il tremble un peu, genre il est content, genre c'est trop mignon, du coup je le retrouve. Oh là là là, oh là là, mais ça va. Salut, Marfito, salut. Ah oui, qu'est-ce que tu fais toi? Et en même temps, ça me fait bizarre parce que ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu que j'ai l'impression que je ne l'ai jamais quitté. C'est chelou, genre les habitudes, elles reviennent vite, les petits mots, les petits surnoms que je lui ai donnés. Donc voilà, franchement, je suis hyper contente. Par contre, il a pris du poids. C'est une patate, il laisse tomber. Ce n'est plus un bulldog français. Oh, coucou la patate. Coucou la patate. Mais il est grave mignon. Il mange bien, il dort bien, il dort dans des oreillers. Genre on m'a dit il est trop chou, il est trop mignon. Et j'avais envie de voir aussi la rencontre avec Luca. Parce que je sais que notre fils aime bien les animaux. Et en fait Prince a peur de Luca. Parce qu'il a jamais vu de petit homme entre guillemets. Oh, oh, Prince il s'échappe. Tu fais le câlin? Tu fais le câlin? Donc c'est très rigolo, la rencontre se passe très bien entre les deux. Du coup, je me suis assise avec Donna et sa famille pour demander quelle en est la situation aujourd'hui, parce que c'est pas juste, c'est mon chien, c'est moi qui l'avais, je voulais laisser pendant quelques temps, je le récupère et tout va bien. Il y a des sentiments qui s'installent, il y a des choses. Est-ce que le chien serait à l'aise à l'idée que je le récupère? Est-ce que vous sentirez bien? Parce qu'un chien, tu sais, quand tu perds un animal, tu peux partir en dépression. C'est quelque chose qui te touche. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est difficile, en fait. C'est quelqu'un à qui tu t'habitues. J'ai dit quelqu'un, mais tu t'habitues à sa présence. Donc, ça peut te mettre dans un état catastrophique. Et moi, je veux pas ça. Je veux que tout le monde soit heureux. Et puis même, tu penses au chien avant tout. Tu te dis, c'est quoi le mieux pour lui? C'est quoi le mieux pour lui? C'est quoi le mieux pour la famille de Donna? C'est quoi le mieux pour nous? Donc, j'en ai discuté avec sa famille. Et elles m'ont dit que, voilà, qu'aujourd'hui, si j'avais vraiment envie de récupérer Prince, il n'y a pas de souci, je pouvais. Si maintenant,
Je me sentais pas pour n'importe quelle raison, bah, c'était habitué à lui, elle l'aime très fort, il n'y a pas de problème, elle pourrait le garder. Et du coup, on a pris la décision que du coup, on va le ramener avec nous. On va le ramener avec nous. On est pris, on pas tout de suite. Oui, parce que c'est une organisation, il faut le vacciner. Bah, justement, ici, il faut que j'aille chez le vétérinaire pour me renseigner pour les vaccins. Parce que Prince fait 15 kilos. Un chien à bagage à main avec toi, c'est 8 kilos max. Les chiens nés plats comme lui ne peuvent pas voyager en soute parce qu'il y a un risque d'étouffement et il y en a beaucoup qui sont décédés. Donc, c'est pas une race de chien qui est facile à transporter en avion. Mais on va trouver la solution. C'est faisable. Voilà, on va trouver la solution. C'est juste que voilà, là, il y a bébé. On n'a pas encore adapté l'extérieur de la maison, mais on va le faire et on va refaire un aller-retour très vite. Oui. Et ça y est, on va ramener cette patate. Donc voilà, pour tous les gens qui nous demandaient, vous avez votre réponse. Maintenant, pas de panique et tranquille, commencez pas à nous stresser, nanana. Ça va se faire. Voilà, hey, de toute façon, on vous raconte notre vie, mais on n'est pas là pour non plus satisfaire les envies des amoureux des animaux. Nous aussi, on les adore. Sauf que ben, chaque chose en son temps. Exactement. Et chacun sa vie et chacun sa manière d'évoluer. Donc, exactement. On espère que vous comprendrez. On espère que vous partagerez la joie des retrouvailles de mon amour et la tristesse qui a accompagné aussi le départ de Doré. Mm. Voilà. Après toutes ces émotions, on va voir un match de hockey. Ça te tenait à cœur de voir des matchs? Franchement, moi je me suis dit, je viens aux USA, je veux voir match de foot américain, NBA, hockey, baseball, tout. T'es un peu déçu parce que du coup tu pourras pas tout voir, mais du coup ce soir on va voir un match de hockey et c'est les Panthers qui jouent. Panthers. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, une nouvelle journée qui démarre. Les réveils sont très durs, réveil à 4h ce matin parce que notre fils est en forme. Donc voilà, hier 3h, aujourd'hui 4h du mat, mais ça va, tout va bien, on est en vacances. C'est le principal, c'est qu'on est bien, même si on dort pas beaucoup. C'est pour vous raconter vite fait aujourd'hui un peu ce qui se passe pour moi, en tout cas personnellement. Vous me voyez souvent en mode pas préparé, à l'arrache, dans mes stories et tout. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je me rends compte que tu vois, ce matin, on doit partir. Et en fait, je me rends compte que j'ai une petite demi-heure. Et au lieu de prendre le temps de me préparer, je fais passer mon fils toujours avant. C'est-à-dire que je ne me prépare pas et je vais prendre les 30 minutes pour vite descendre au parc. Pour que lui, il kiffe en fait, il court, il passe un bon moment. Et que moi, je vais avoir peut-être 5 minutes pour me préparer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis souvent en mode en vrac et pas préparé. Parce que je donne le plus de mon temps possible à mon fils pour que il fasse des choses, il se sente épanoui, il sent que ses parents sont présents. Mais c'est vrai que du coup il y a un petit côté laisser aller parce que je me prépare plus comme avant, j'arrive pas en fait à tout cumuler, tu vois, à prendre vraiment du temps pour moi et à m'occuper de lui. Et c'est ce qui fait que aussi d'avoir des enfants, tu vois, c'est un investissement. Et nous, je sais qu'on est investi à 200%. Donc quand tu veux des enfants plusieurs, pour ma part, tu vois, ça fait réfléchir. Enfin, pour notre part, ça fait réfléchir parce qu'on est déjà tellement investi avec lui qu'on a déjà pas de temps pour nous, que d'avoir d'autres enfants, ça laisse à réfléchir, tu vois. C'est en mode vraiment, il faut que Lucas soit plus grand et plus, pas indépendant, mais qu'il soit juste un peu plus grand pour qu'il puisse lui se gérer un peu, genre savoir déjeuner, tu vois, ce genre de choses. Voilà, c'était pour vous expliquer tout ça, d'où ma dégaine dégueulasse. Mais en tout cas, là on est au parc et je pense qu'il va kiffer. Mon trésor.
C'est impressionnant de voir à quel point ça respire le sport. Le mood, il est fou, il est sain, il est très agréable. Genre, tout le monde est dans cet esprit de prendre soin de soi, de kiffer. T'as un terrain de tennis, de beach, t'as des appareils pour le sport, un petit parc pour les enfants, un terrain de jeu pour les chiens. Il y a tout ça au même endroit. Et le pire, c'est que c'est pas genre ici et pas ailleurs. Il y en a partout à Miami. C'est trop appréciable. Moi, je sais que j'ai habité en face de ce parc-là et en face d'autres parcs. C'est tellement plaisant. Genre, t'as trop envie d'aller te balader. Genre. Et puis les gens, ils sont. Ouais, c'est ça. Se parle et tout. Genre, oh, c'est ça sent le soleil, ça sent le sourire. Genre, ça donne trop envie. Ça de. Ça fait du bien au moral. Ouais, c'est ça. Et je comprends pas pourquoi on n'a pas ça en France. La vérité, c'est. Je sais pas. Il y a du vert partout. C'est la base en vrai. Je me dis que c'est comme ça que t'as envie de prendre soin de toi, de vivre. C'est des petits moments tout simples. Tu descends, tu vas passer une heure, ça y est, t'as kiffé, tu vois. Ça fait du bien. Bref. C'est pour ça que j'ai habité là, les amis. Moi, ce genre de choses, j'aime trop. Franchement, ça fait du bien. C'est moi. Un kiff monstrueux. Après le parc, les amis, on n'a pas trop filmé parce qu'en fait, il y avait rien de transcendant cette journée. On s'est reposé, on n'a pas fait grand chose. C'était chill. Par contre. Le jour d'après, petit réveil, et là avec mon amour, on peut pas s'empêcher de faire du sport. Et surtout que ici, les salles de sport, apparemment, elles sont vénères. C'est quelque chose. Et j'avoue qu'elles sont vénères. Mais oui, c'est pas la même chose qu'en France. C'est quoi ce délire? Une voiture dans la salle, un terrain de basket. Franchement, ils sont ailleurs. Par contre, faut savoir que souvent dans les salles à Miami, il n'y a pas de climatisation, les portes sont ouvertes et ils font exprès de faire ça pour que tu transpires. Mmh. Genre, c'est un peu comme des salles de crossfit, tu vois. Moi, j'adore, la vérité, j'adore. Et en plus, il n'y a pas de chichi ici. Torse nu, tu fais ce que tu veux, téléphone par téléphone, franchement, c'est un kiff. Les meufs à Miami, des instituts de beauté pour faire les ongles et les soins et tout, c'est des trucs de ouf, malade mental, même tout ce qui est injection, tout ce que tu veux, genre t'as jamais vu ça, c'est vraiment comme dans les films. Mais là pour le coup, aujourd'hui avec Laetitia, j'ai décidé de l'amener dans un institut où j'allais avant faire mes ongles, mains et pieds, tout le bordel, c'est un truc un peu, t'arrives en mode, tu sens un peu diva, tu vois, genre ils t'offrent des coupes de champagne, des trucs. Le problème c'est que ça se passe pas comme prévu, on se retrouve qu'on n'a pas de main, on n'a pas de... Pas de main. On n'a pas d'ongles aux mains, vous allez comprendre. Pourquoi tout de suite. Ce siège maçon. Oh, ça c'est une dinguerie par contre, normal, elle s'en fout. Elle est au tripod. Lourd. Voilà. Impeccable. Impeccable. Elle t'a dit bonjour au moins. Pas vite. Tu veux boire un truc? Tu peux demander une coupe de champagne. Hein? Tu veux? Thank you. Team. La chaîne incroyable. Oh, il est bon, hein? Il est très bon. On sort des ongles qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas. Du coup, on n'a pas fait les mains. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce que en fait, ils abusent sur les prix, mais c'est même plus abusé là, c'est faut faire un crédit pour aller faire les ongles. Je vous explique, on a juste fait les pieds et j'ai fait enlever le gel que j'avais sur les doigts. $140. Attends, non mais on parle de pieds, genre de pieds normal. On a juste fait du gel avec un truc. C'est abusé. Du coup, je suis pas très contente parce que je voulais faire kiffer ma belle-sœur et au final, on s'est fait enfler, laisse tomber. Donc voilà, si vous voulez venir faire vos ongles ici, sachez qu'il faut faire un crédit, les gars. Donc du coup, la flemme de payer trop cher. C'est pas grave, allez, on verra si on peut faire ailleurs ou alors on les frappe. Je ne sais pas. Ah ouais. Oui, parce qu'on nous a pas dit, du coup, si on voulait faire mains et pieds, c'était presque $200 chacune. $200, ça équivaut à 180, 170 euros pour faire mains et pieds. Genre, on va se calmer quand même. Bon, c'est vrai qu'ici, on va souvent au resto pour découvrir un peu les spécialités culinaires des States. D'ailleurs, petit aparté, très souvent, mon amour m'a dit, et puis j'ai entendu que la bouffe n'était pas top ici, mais en vérité, il y a tellement de choix, tellement de restaurants différents que moi, je kiffe perso. En fait, si tu veux manger healthy, c'est compliqué. Ouais, tu peux faire à la maison. D'ailleurs, oui. C'est ce qu'on a fait. C'est ça. On a décidé de se faire un petit repas à la maison et après d'aller à la piscine. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, je l'ai vécu en Asie, mais ici, c'est pareil, mon amour, dans les condos. C'est les buildings, en fait. C'est... un bâtiment, sauf que c'est plus grand, donc on appelle ça des buildings. Et t'as quoi dedans? Il y a tout, genre. Salle de sport, salle de réunion, des fois t'as cuisine, tu peux faire ton barbecue. Ils lavent les voitures dans les parkings. Et t'as surtout des piscines, des spas, des trucs. Et en fait, bah, du coup, c'est hyper pratique, t'as tout là où tu habites. Donc, on va à la piscine avec notre fils, qui est très mignon dans sa petite combinaison qui lui va trop petite. Mais il y a un vent de malade, parce que la piscine est un peu en hauteur, tu vois, et qui fait pas super beau, donc, bon ben... Ça tombe à l'eau. Ouais, c'est qu'à te le dire.
il y a beaucoup trop de vent pour aller se baigner. Pour Luca, le vent est très frais. Ça veut dire qu'on a peur qu'il soit malade après. Du coup, on pense qu'il n'y aura pas de baignade. Super, au moins, on aura vu la piscine. Je suis un amoureux du sport et je saoule mon amour depuis plusieurs jours pour qu'on aille faire du baseball, qu'on aille faire top golf, qu'on aille faire toutes les activités sportives qu'il y a ici, tu vois. Mon amour, elle est éclatée. Non, moi, je vous jure, j'ai des coups de fatigue là, ça commence à être sévère parce que toutes les nuits, on ne dort pas beaucoup. J'avoue. Parce que même si on se réveille tôt, il faut savoir que toute la nuit, notre fils ne fait que bouger. Donc, ce n'est pas des vraies nuits. Tu te réveilles 5-6 fois, au final, il dort avec toi, au final, tu es stressé, tu as peur qu'il tombe, tu ne dors pas. Le problème, c'est qu'entre ça, le jet lag, le cumul des activités, de tout, je suis au bout de ma lettre. Et là, ce moment-là, je ne peux plus bouger. Okay. Je suis fatiguée. Donc, mamie reste à la maison. Bon, je prends ma soeur et bébé et on va direction le baseball. Ça s'appelle Hot Zone. Et en gros, c'est des cages dans lesquelles tu as une machine qui jette, qui propulse des balles. Et toi, avec la batte, ben, tu les tapes. Et on ne l'avait jamais fait avec ma soeur. Et en vrai... C'était une réussite ou pas du coup? Franchement, on a géré. Oh, ça déboîte. Merci. Et ce qui était rigolo, je ne sais même pas si on a les images, mais bébé, il se tapait des fous rires à chaque fois qu'il entendait la batte qui tapait la balle ou quand on l'a raté aussi. Qu'est-ce que fait ma reine? Bravo! C'est protégé, hein, pour ceux qui pensent, c'est oui. Protégé là où tu tapes la balle, le bébé n'est c'est pas. C'est dans des cages, c'est dans des cages. Voilà, non, mais je préfère préciser. Mon amour, c'est une des rares activités que j'ai vues ici ouais. Qui coûte pas cher. Ah ouais? Non. Combien t'as payé? Je crois qu'on a payé 11$ ah pour ouais 150 balles, un truc comme ça. Non, c'est pas cher. Franchement, c'est pas cher. Lourd, ok. C'était stylé! On a kiffé! T'as kiffé ma gueule? Expérience de malade. C'était mortel! Faut savoir que mon amour nous a vanté les mérites de Shake Shack. C'est un fast food de burger, mais attends, je t'explique. Ouais. Je suis quelqu'un qui aime pas trop les burgers, tout ce qui est McDo et tout. J'en mange, allez, ça va. Mais c'est pas ouf, genre la viande et tout, je suis pas la fan. Par contre, Shake Shack, écoute-moi. C'est une dinguerie, ça va. Donc j'ai dit, on peut pas venir ici sans que vous partiez sans avoir mangé un Shake Shack. Donc, on y a été. Toujours chargé, hein. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire découvrir le quartier des affaires de Miami à mon amour Laetitia et du coup Luca aussi. Il faut savoir qu'à Miami, tu as plusieurs quartiers. Genre ici, on est à Edgewater, exactement. Tu as Downtown, c'est où j'habitais avant, donc c'est incroyable. Tu as le truc de moi, je kiffe, basket moi, je et tout. Tu as bah, South Beach, tu as plein de trucs en fait. Et aujourd'hui, on va à la Brickell, donc le quartier des affaires. Attends, parce que mon amour est en train de dire un truc, elle a oublié de finir. Quoi? Ce qu'elle veut dire, c'est que tous ces coins, toutes ces espèces de quartiers, ils ont tous des spécificités qui sont totalement différentes les unes des autres. Et ce qui rend Miami, mais ouf, parce que tu peux faire juste c'est quelques mètres et genre t'arrives dans une ambiance et dans une autre et dans une autre et c'est trop stylé. C'est ça, et du coup Brickell c'est vraiment le quartier des affaires où t'as plein de grands buildings tout vitrés et tout, ça fait vraiment un peu, pas New York parce que c'est abusé, mais c'est vraiment le quartier des affaires. Tout propre, moderne. Et du coup je voulais leur faire découvrir parce qu'il y a un mall ouais. Qui s'appelle le Brickell City Center qui est assez incroyable où t'as des boutiques de luxe, des boutiques de moins luxe, t'as de tout en fait, mais c'est juste incroyable parce qu'il est un peu en extérieur, donc t'as des arbres, des trucs, c'est ouvert, t'as un cinéma, il est incroyable ce truc, et t'as un truc pour, enfin, t'as le truc pour manger partout, j'ai dit c'est incroyable 15 fois. Ouais j'avoue. C'est pas grave, en tout cas on est allé à Brickell et du coup c'était comment? Ben c'était nickel. C'est incroyable. This is Brickell. En parlant de quartiers différents, justement, on est passé du quartier des affaires à quelque chose de beaucoup plus ça, vivant, c'est populaire. C'est Downtown, hein. C'est le quartier de Downtown, Bayside. De quoi, Bayside? Ouais. Ok, on va à Bayside, exactement. Qui est dans Downtown, et en gros, Downtown. C'est pas du tout la même ambiance.
franchement, je kiffe, moi. C'est un truc vraiment, c'est un. C'est vivant. Ah, ok. En extérieur. Ouais. T'as des gens qui dansent, t'as des gens qui viennent faire du shopping, t'as des shows. Beaucoup de familles. Ouais. Contrairement à certains endroits dans Miami où t'en as peu parce que c'est plus la fête. Là, c'est la fête, mais en même temps, c'est très familial où tu peux manger les trucs. D'ailleurs, on s'est arrêté au restaurant de Forrest Gump. Trop stylé. Je sais pas si vous connaissez le film ou si vous êtes de notre génération ou pas, mais en gros, à un moment donné. On est des vieux, à un moment donné, Tom Hanks, il ouvre un resto de crevettes. Il l'ouvre ? Non, il l'ouvre pas. Il fait quoi ? Il vend, je crois. C'est le restaurant du film, en tout cas, Forrest Gump. Et c'est une histoire de crevettes. Et on a été là-bas et c'était original. En tout cas, le resto, il est spécialisé dans la crevette, mais il y a plein d'autres choses aussi que tu peux manger. On a mangé là-bas. Notre fils a bien évidemment goûté. C'est ouf. Papa et maman, ils étaient pas trop contents parce qu'on aime bien que notre fils mange équilibré et surtout à des heures précises. Et ce monsieur à Miami, c'est le bordel. Là, c'est les vacances. C'est vraiment les vacances. Les frites, les crevettes, le. Mais Besaïd, c'est vraiment très stylé. C'est très très bien. Vraiment. Si vous avez l'occasion, foncez. D'ailleurs, vous pouvez danser avec bébé. On a dansé, on s'est amusé. C'était stylé. C'est vrai? On vient de passer juste devant là où j'habitais pendant presque 3 ans. À Miami, c'est incroyable les souvenirs, putain! J'aime trop cette ville, putain, c'est trop bien. J'ai dit putain 600 fois, c'est pas possible. La dame n'est pas polie. C'est trop incroyable, Miami, c'est la real life. The real life. Voilà donc comment s'est passée notre première semaine à Miami, qui est presque terminée. Presque. Parce qu'on décide de passer notre première soirée en amoureux à Miami. Et donc mon amour, tu vas m'emmener où ? Ce soir, on va faire plein de trucs. J'ai réservé un resto, les amis, où tu vois que des trucs comme ça dans ce resto. Je peux pas en dire plus. C'est juste incroyable. J'arrête pas de dire ce mot pour cette vidéo, c'est la vérité. Tu peux manger des trucs comme ça que ici. Genre un lingot d'or, par exemple, en mode de chocolat. Des petits plats avec des petits, comment on dit, le plat il fait le show, en gros c'est ça. Le plat arrive sur ta table et il fait le show. Et d'ailleurs on va voir aussi comment c'est l'ambiance ici, les boîtes, les soirées, bref, on va passer une soirée en amoureux. Si tu veux pas rater ça, abonne-toi et rendez-vous dans le prochain vlog qui arrive très vite. Exactement. N'oublie pas de liker, de commenter. Sinon on te retrouve toi et... Bon, en tout cas, on espère que vous avez kiffé et que ça vous donne envie de découvrir Miami. Nous, on kiffe notre life, c'est pas fini. D'ailleurs, à part cette soirée en amoureux, il va arriver plein de choses cette semaine. Donc, rendez-vous dans le prochain vlog. Goodbye. Bye.